Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks, merci de passer, ça fait plaisir, c'est Cool Sharks pour vous servir. Aujourd'hui, on fait un tuto sur Luke AirTool, le logiciel de passager. On voit ça tout de suite après le jingle, à tout de suite tout le monde. Et me revoilà les amis, me revoilà. Donc aujourd'hui on va parler de Luke AirTool, donc on va voir un peu son installation et un petit peu comment s'en servir. Voilà, donc Luke AirTool, logiciel que vous allez trouver sur flightsim.to, un logiciel gratuit, donc ça c'est super. Et je vais vous mettre le lien de ce Luke AirTool dans la description de cette vidéo, si jamais ce logiciel peut vous intéresser. En tout cas je le trouve vraiment très sympa, il est extrêmement complet, il est vraiment très très complet puisque vous avez une simulation de passagers. Si vous voulez pas vous embêter avec les passagers, vous avez juste une espèce de deck entre guillemets où vous pouvez cliquer pour faire des annonces. Vous avez un pushback assist, donc vous pouvez vous servir du pushback. Vous avez de quoi avoir votre métar sur ce petit logiciel et de quoi avoir les cartes et bien plus. Et ce logiciel est en perpétuelle évolution, il est toujours en développement, mais pour un logiciel gratuit, franchement pas mal. Donc pour ce faire, vous allez sur la page Luke AirTool, bien évidemment, de flightsim.to, sur le site flightsim.to, pardon, et vous descendez bien évidemment et vous faites download. Ok, fichier principal toujours, hein. Et on attend, il faut quelques secondes pour que le fichier en téléchargement se lance. Donc c'est ce qu'on va laisser faire. Voilà, donc là c'est validé, donc vous voyez pas, mais hop, en bas à gauche, le dossier est en train de se télécharger, ok. En attendant, je vais faire quelque chose, le temps qu'il se télécharge, c'est que sur mon bureau, je vais créer un dossier, donc en faisant clic droit, nouveau, dossier, et je vais l'appeler Luke AirTool. Voilà, Luke AirTool. Et ce dossier va être très utile, vous allez voir. C'est comme ça que je m'y prends moi pour l'installer, ok. Et en l'installant comme ça, je n'ai pas rencontré de problème. Donc Luke AirTool est terminé d'être téléchargé, donc on va pouvoir fermer notre page internet et on va aller le récupérer dans Téléchargement. Téléchargement, le voici. Hop, je vais ouvrir mon dossier Luke AirTool que je viens de créer. Et je vais glisser ce dossier, ce Luke AirTool, dans mon dossier créé, que je viens de créer, ce qui se prénomme Luke AirTool. Voilà. Je peux fermer mon dossier de téléchargement. Une fois qu'il est mis dans ce dossier Luke AirTool, je fais clic droit dessus et je fais extraire ici. Voilà. Là, il est extrait. Ok. Ensuite, je fais launcher.exe. Oui. Voilà, donc j'arrive sur cette fenêtre. Je tiens à vous apporter une petite spécification. C'est que vous allez avoir besoin de FSUI PC7 pour qu'il y ait un pont entre ce logiciel et votre jeu. D'accord, FSUI PC7 est obligatoire. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne sur FSUI PC7 il y a quelques mois. Je vous invite à aller la regarder si vous ne savez pas encore ce qu'est FSUI PC7. Voilà. Donc là, on est directement dans les settings. Donc il a bien mon chemin de destination, il n'y a pas de souci. Run AirTool as administrator, je vous conseille de le cocher. D'accord, c'est un petit plus. Et voilà, et là vous faites save. Vous allez dans Home, vous faites Download, le logiciel Download, et voilà, il a downloadé ce qu'il avait besoin, et vous faites Play. Donc c'est parti. Et voilà, et ici, il va vous demander de loguer votre compte Paxim, une virtuelle compagnie. Ok, donc ici, vous avez juste à rentrer vos identifiants. Donc je vais les rentrer à côté. Donc voilà, c'est fait. C'est fait, donc là j'ai simplement logué mon compte hein,
que l'on a à créer sur le site en question. Hein. Si jamais, là j'ai plus la petite fenêtre, mais si jamais vous n'avez pas encore créé de compte, hein, il suffit juste de cliquer sur Create a compte. Hein. D'accord? Ok. Donc là on est sur le logiciel Lucartool. Voilà, et ici vous avez les annoncements. Donc, mais avant de voir ça, on va faire quelque chose de très intéressant, on va juste le décaler. Voilà. Et toujours dans le dossier Lucartool, vous n'allez pas à chaque fois aller dans votre dossier Lucartool pour lancer ce petit logiciel. Donc je vais vous montrer comment faire un raccourci de votre launcher. Vous faites un clic droit sur le launcher.exe et vous faites envoyer vers. Alors je le cherche. Envoyer vers. Voilà, envoyer vers, pardon. Bureau, créer un raccourci. Voilà, c'est ce que je fais, et là mon raccourci est là. Comme ça, vous avez directement votre raccourci. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez mettre le raccourci sur un autre écran. Voilà. Ça c'est fait. On revient à notre petit logiciel. Je peux fermer le dossier, j'en ai plus besoin. Donc, vous allez dans Settings. Et dans Settings, vous avez deux, trois petites choses à faire. Donc, ça c'est Account. Ok. Application et Paxim. Voilà, vous allez dans Application et Paxim. Ok, ici vous pouvez modifier le nombre de secondes qui va s'écouler entre chaque passager qui va monter. Moi je l'ai laissé sur 2 secondes, j'y ai pas touché. D'accord. Donc ça c'est nickel. Ensuite, ici, vous pouvez rentrer votre SimBrief username. Si vous voulez importer votre plan SimBrief sur Lucartool, bah vous ajoutez votre SimBrief username. Moi par exemple c'est Jonathan1703. Hop, et vous faites 7. Et du coup, celle-là sauvegardée. Vous choisissez votre simulateur, moi c'est MSFS 2020. Hein, et il va demander la direction de votre dossier community. Donc ici, vous enregistrez tout simplement le chemin d'accès de votre dossier community. Donc moi je vais aller le récupérer. Hop. Tac, je copie et je colle. Voilà, 7. Voilà, donc rien de plus simple hein, pour récupérer votre dossier community. Hein, si vous voulez un petit truc pour avoir l'adresse, vous cliquez sur votre dossier community pour l'ouvrir ou même votre raccourci. D'accord ? Et là, vous avez une page. Vous cliquez juste à côté et là, ça vous donne l'adresse. Complète. Hein. Clic droit, copier, après coller. Voilà. On n'oublie pas de faire les petits sets hein, pour enregistrer. Voilà. Moi, je laisse en auto-announcement. Vous pouvez supprimer l'auto-announcement si vous voulez faire vos annonces vous-même. Moi, je préfère laisser en auto. Je trouve ça plus sympa. Le multiplier que vous pouvez activer, bien évidemment. Load announcement on start, non, j'en ai pas besoin. Et pushback assist, vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer, c'est comme vous désirez. Moi, je vais l'activer, pushback assist. Des fois, ça peut servir bien que j'utilise pushback helper. Voilà. Donc, à partir de là, tout est fait. Tout est fait, c'est tout ce que vous aviez besoin de savoir pour régler ce petit Lucartool et surtout pour mettre en lien votre SimBrief. D'accord, avec ce logiciel et l'adresse de votre dossier community. Donc une fois que c'est fait, on peut fermer. Donc, le premier onglet, il s'agit des announcements. Quand vous cliquez dessus, les announcements, bah, c'est la petite télécommande, on va dire, qui vous permet de lancer des sons. Par exemple, welcome, mais juste avant, vous choisissez la compagnie aérienne pour avoir les bases de sons que vous désirez. Donc vous voyez, il y en a une foulitude. D'accord. Moi, je vais prendre Air France hein, pour l'exemple. Et une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur une des choses et ça lance un. Ladies and gentlemen, welcome on board Air France. Please store your baggage in the bag compartment. Là, vous avez la version en anglais, mais il va parler en français aussi. Under the seat in front of you. Emergency exit must remain clear of any luggage. Donc là, on va faire stop. Smoking is prohibited and cigarettes. Stop ici, pardon. Donc le stop ici, c'est ce qui permet de couper le son. Hein. Si à un moment vous êtes gêné par le son, vous pouvez le couper à tout moment avec le stop. Voilà. Donc, seule chose à savoir, ça, c'est les announcements. Donc c'est une télécommande, il n'y a pas d'interaction avec le jeu, c'est simplement une télécommande qui lance des sons, en fait. Ok ? Donc là, on va le fermer, c'est tout ce qu'on a à savoir sur announcement. Your office... Pour le moment, qui n'est toujours pas disponible, c'est quelque chose qui va se développer
à l'avenir. Je ne sais pas trop ce que ça va proposer. J'imagine qu'il va y avoir une sorte de gestion de flotte et peut-être même financière. Donc ce serait plutôt pas mal. J'espère que ça va se développer dans ce sens. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce logiciel, c'est Flight Setup. Voilà. Et dans Flight Setup, vous pouvez choisir soit un simulateur de passagers ou un simulateur de cargo. Et bientôt, ils feront un simulateur pour la General Aviation. Voilà, donc c'est vraiment top. Moi, je vais choisir Passenger Simulator. Voilà. Et dans Passenger Simulator, bah, vous vous retrouvez avec cette fenêtre. Voilà. Mais pour en parler un petit peu plus, on va se retrouver en jeu. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et me revoilà, les amis. Donc, on va tester ce Lucar Tool en jeu. Hein. Et pour ce faire, la première chose à ne pas oublier, c'est lancer FSUI PC7. Donc c'est ce que je vais faire. Vous ne le voyez pas à l'écran puisque mon logo est sur mon écran de gauche, mais je lance FSUI PC7. Voilà la fenêtre. Ensuite, je lance Lucar Tool. C'est parti. Voilà, petit message. Voilà. Je fais play. Voilà, parfait. Et je vais donc lancer un flight setup. Pardon, excusez-moi. Petite chose qu'on n'a pas parlé avant, c'est que vous avez un classement mondial que vous pouvez voir sur la droite avec les points que vous récoltez. D'accord? Plus vous récoltez de points et plus vous montez dans le classement mondial. Ok? Et à gauche, on peut voir du coup le nombre de points que vous avez cumulés lors de vos vols et votre grade. Vous voyez, moi actuellement j'ai 7159 points et je suis amateur. Voilà. Et plus vous montez en points, plus vous avez vous montez en grade. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est Flight Setup. Je clique dessus. Et là, Passenger Simulator, ok. Et je vois qu'il y a Cargo Simulator qui a été rajouté. Et plus tard, General Aviation. Ça, c'est cool. Donc on va prendre le simulateur de passagers. Passenger Simulator. Voilà, j'ai généré un plan de vol sur mon SimBrief de TFFF vers TFFR. D'accord, et je vais l'importer. Pour l'importer dans ce petit logiciel Lucar Tool, vous faites Use SimBrief Username, celui que j'ai rentré précédemment, et on clique dessus. Donc là, il fait Getting Info et il va charger mon plan de vol. Donc ça, c'est parfait, c'est chargé. Je choisis l'avion en question. Donc là, je suis avec un A320 Neo. Donc il est juste ici. Je le prends. Voilà. La compagnie, eh ben je vais prendre Air France, donc très important le moment de ce choix, puisque la compagnie que vous allez prendre, c'est ce qui va déterminer le pack de son qui va être utilisé. D'accord? Donc moi je prends Air France. Le flight type, donc commercial. Ok. La départure. Donc la départure, je vais regarder dans l'avion exactement. L'heure, il est 11h15 UTC. 11h15 UTC et j'ai 26 minutes de vol, donc il est 11h15. Je rajoute en général 20 minutes de préparation, donc il est 11h35. Hop, je vais même mettre 25 minutes, donc 11h40. Il est 11h40 UTC, je sais que j'ai... Enfin, il n'est pas 11h40, je vais décoller à 11h40 UTC et je sais que j'ai 26 minutes de vol. Donc, ce qui va m'amener à je vais arriver pour 12h, 12h06 UTC. Voilà. Le manufacturer, bah, Airbus. Et le modèle, je vais prendre. Donc là, vous en avez des préétablis, d'accord? Mais vous pouvez en télécharger pour avoir celui d'Air France. Donc quand c'est comme ça, vous faites download more. This will open workshop and close flight setup. Are you sure? Donc moi, je vais mettre non, hein, d'accord? Mais après, vous faites oui et vous pouvez récupérer le modèle Air France. Moi, je vais prendre celui Singapour, hein, peu importe. Voilà, j'ai activé les auto-announcements, c'est-à-dire qu'à chaque phase de mon vol dans le jeu, grâce à FSUI PC7, Lucar Tool va détecter les phases et va lancer les annoncements automatiquement. Voilà, si vous voulez pas, bah vous le décochez, hein, tout simplement. Et on le met en style carrière. Voilà. Donc là,
pour ça, pas de souci. Le nombre de passagers, bah, par exemple, moi je vais mettre 150 passagers, admettons. Et chose à ne pas oublier de faire, vous faites verify route, vérifier la route juste ici. Voilà, donc là, il l'a vérifié. Donc une fois que tout ça s'est rentré, bah, vous faites start passenger simulator. Donc amount of seats selected is to height setup aborted. Ah, donc j'ai pas pris le bon modèle. Donc on va prendre Spirit. On recommence, voilà. Donc n'hésitez pas, moi là je ne l'ai pas fait, mais dans les modèles, hein, vous allez en download more et vous téléchargez celui par exemple pour Air France. Ok? Donc voilà, on est sur notre page, Lucartool. On va en parler. Donc les annonces vont se faire automatiquement, d'accord? Ici vous avez les settings, si vous avez des choses à modifier. Et ici vous avez volume. Donc ça c'est très intéressant. Moi personnellement je la laisse ouverte cette fenêtre de volume parce que les annoncements d'une à l'autre, d'une annonce à une autre annonce, des fois vous pouvez avoir un volume assez différent. D'accord? Donc moi je préfère le garder ouvert comme ça je peux interagir dessus tout de suite. Autre petite particularité que je trouve super intéressant, c'est ces trois petits traits ici. D'accord? Quand vous réduisez, bah, vous avez cette petite fenêtre très discrète que vous placez là où vous voulez. D'accord? Et je trouve ça plutôt sympa. On clique sur les trois petits traits pour agrandir. Voilà. Et puis bah, quand vous voulez que les personnes rentrent dans votre avion, bah, c'est tout simple, hein. Vous faites simplement board passenger. Et là, les personnes commencent à rentrer dans votre avion et s'installer. Petite chose à savoir, c'est ici le signal des ceintures de sécurité. Donc vous cliquez simplement dessus et là le logo s'affiche avec le petit signal sonore pour que les gens s'attachent. Voilà. Pour les autres annonces, bah, vous voyez, hein, vous avez tous les boutons quand vous voulez déclencher des annonces, mais quand vous avez mis auto-announcement, de toute façon, ces annonces vont se faire automatiquement. La seule chose que vous allez devoir faire, vous, c'est l'annonce du logo des ceintures de sécurité ainsi que du signal sonore. Et ici, vous avez le petit carré skip. Quand il y a une annonce que vous voulez couper, vous cliquez simplement dessus et ça la coupe. Voilà pour ce qui est de l'interactivité. Autre chose, de quoi je peux vous parler d'autre? Pendant le vol, ici, vous allez avoir de temps en temps une petite alarme qui va se faire, le petit ding. C'est un passager qui va demander votre attention. D'accord? Quand ça arrive, vous allez simplement ici et vous aurez un des sièges qui sera en jaune ou orange. D'accord? Vous cliquez dessus. Ici, ça va vous ouvrir une fenêtre avec un choix de choses que vous pouvez donner, water pour l'eau, tissu pour les mouchoirs, sick bag, etc. D'accord? Et à droite, vous aurez le nom du passager, son emplacement, ok, et ce qu'il désire. Donc par exemple, ça va être marqué water. Donc là, il n'y a rien de compliqué, vous cliquez sur water, ok, dans la liste déroulante, et vous faites continue. Voilà. Ici, vous avez le Wi-Fi que vous pouvez activer. Ici, vous avez le personnel de cabine que vous pouvez activer. Seule chose à savoir, c'est quand vous activez le personnel de cabine, vous ne comptabilisez plus de points. D'accord? Donc parce que ce logiciel ne se base pas sur la qualité forcément de votre pilotage, le score va se faire sur l'attention que vous allez apporter à vos passagers. Donc le fait que vous ayez la petite alarme, le petit ding, et que vous cliquiez sur le siège en orange et que vous apportez à votre voyageur, votre passager, ce qu'il désire, bah c'est ça qui va faire que vous allez faire des points. Voilà. Autre chose à checker, donc Airline Air France, statut bah, embarquement, et FSU IPC7, vous pouvez voir ici s'il est connecté ou non. Voilà, donc moi il est bien connecté. Voilà. Pour ce qui est du Métar, donc ici vous avez un petit logo avec un soleil et un nuage qui avait marqué Show Métar, vous cliquez dessus. Et vous pouvez demander le métar pour la départure, par exemple. Donc là, j'ai cliqué dessus et là, j'obtiens mon métar pour la départure. Et vous pouvez avoir votre métar pour la destination aussi, sur TFFR. Voilà. Autre chose d'intéressant, eh ben, c'est le pushback. Vous avez un pushback incorporé dans le jeu. On va se mettre en vue externe. Et en fait, si vous cliquez ici sur le petit bonhomme là qui lève le bras, et eh bien vous avez cette fenêtre qui s'ouvre juste ici.
Et puis bah là, rien de compliqué, hein. Pour arrêter l'avion, vous cliquez sur l'avion et là, il reste immobilisé. Si vous voulez le faire reculer, bah, vous cliquez sur la flèche qui va vers l'arrière. Et si vous voulez à droite, aller à droite ou à gauche, bah, les flèches de droite ou de gauche pendant votre repoussage. Donc plutôt, plutôt sympathique. Pour le fermer, vous cliquez sur le petit bonhomme. L'autre petit logo ici avec des petites bulles, c'est un chat qui est directement dans le jeu. Et ici, bah, vous avez juste à écrire votre message et de l'envoyer et vous êtes en direct avec, avec ceux qui sont sur ce petit logiciel en chat. Donc plutôt sympa pour l'interactivité. Quoi dire d'autre dessus? Donc la chose qui est très intéressante, c'est quand un passager a besoin de vous, a besoin de quelque chose, c'est simple, cette petite barre là va se rétroéclairer en orange ou jaune. D'accord? Donc vous allez le voir au premier coup d'œil, puis vous avez le petit ding qui va se faire. Voilà. Quoi dire d'autre sur le logiciel? Bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est du Passenger Simulator. Ici, donc, le Wi-Fi que j'avais parlé. Ici, vous avez les logs. Donc, les logs, ça a enregistré tous les vols que vous avez fait avec vos atterrissages. Voilà, et la force de vos atterrissages et le nombre de points que vous avez réalisés. C'est tout l'historique de vos vols. Voilà, les amis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit logiciel. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Et puis bah tout simplement, dernière petite chose, hein, quand vous arrivez à l'aéroport et que vous êtes en porte, hein, tout simplement, vous détachez vos passagers et vous faites D-Plane Passenger. Tout simplement. Voilà. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura guidé. Je découvre encore Lucartool, bien évidemment, donc j'en apprends encore tous les jours. Et puis il évolue et je vois que là, je vous ai fait cette vidéo et ça a déjà changé par rapport au Lucartool que j'utilisais il y a encore ça 2 jours. Donc il évolue et ça fait super plaisir. En tout cas, bah, si ça vous a aidé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, également mettez-les dans les commentaires, je vais me faire un plaisir de vous lire et de tenter de vous répondre. Voilà les amis, prenez soin de vous surtout en ce moment, profitez de la vie parce que vous n'en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao tout le monde, fly safe, peace.